Sonora Jamouillante. Sonora Jamouillante. Pour la sonorisation de vos soirées, fêtes de mariage, anniversaire, retrait de deuil, bal dansant, la solution c'est Sonora Jamouillante. Sonora Jamouillante. Avec une puissance efficace, à partir de 1000 à 8000 watts, contactez Sonora Jamouillante au 06 24 82 54 80. Allez, bon soir. Sonora Jamouillante. Sonora Jamouillante vous propose un répertoire de musique variée. Rajamouillante. La solution pour vos fêtes, c'est les 06 24 82 54 80 ou 01 39 14 50 04. Sonora Jamouyandi. Kisalu na kisalu. Sonora Jamouyandi. À partir de 1000 à 8000 watts, la puissance à votre service. Un son bien raffiné et une bonne animation. Sonora Jamouyandi. Kisalu na kisalu. Vous bandez comme mon photo, juste un plateau échangé. Toi, ah ouais, voilà pourquoi un décor à place sous sous ma pessi biso. Mais après l'influence montée quelconque, bah tout, bah Tikoko Sabino, bah tout, bah Kota, la bêtise. Qui a les droits et qui est cette personne qui peut dire sur ma spiritualité et dire quelque chose sur Oyo appartenance et à place Oyo on en croit. Tout y a Nzambo on en croit. Je suis sur une très bonne voie. La communication avec Dieu, c'est faire le bien, éviter le mal, automatiquement. Donc, c'est-à-dire que il faut même pas croire à des charlatans qui sont là uniquement pour n'abat dévier Bino et pas décourager les gens qui veulent faire du bien en République démocratique du Congo pour les autres.
Ado, vous n'allez pas les décourager, il ne sera pas là dans des bêtises. Vous dire merci, voilà pourquoi je dis toujours un grand merci au PDG Richard Kabbala. Il est toujours avec moi, ils sont toujours là pour soutenir. Vous pouvez dire Bossali ou Bossalawana. Si Dieu élève une personne, si sa nation, si la diaspora, Oyoba Sepeli, qui est Ado Zalawana, jamais au groupe Moura Bendividi, Yabani Boulkabo détruire ce que la diaspora a construit et pas à Ado Oyo. Oyo, quand même, ou bah Congolais, ou bah Olina, quand même, et pas Ado. Tu es libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais laisse bateau Baolina, Balina Raka, émission O. Maman, ça tue. Aou. A coupé papa, coupé. A coupé maman, coupé. A coupé papa, coupé. A coupé maman, coupé. A coupé papa, coupé. A coupé maman, coupé. Samelaka poto tonga kabaninga te Kasi poto kota lula Ahmed Bakayoko Kostika La pointe du savoir-faire Est-ce que banatina Asusu basali bakita na rama koko Asusu basali bakita na rama koko Asusu banyako kera I'm
bienvenue. Merci, ça fait plaisir de t'avoir à la maison. Quelle introduction. C'est la meilleure introduction de ma vie, je crois. Ah, ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. On a un petit rituel. Ouais. C'est de commencer vraiment par tes tout débuts, et même parler un petit peu de ta famille. Donc, toi, tu as grandi à Garges-lès-Gonesse, en banlieue parisienne, originaire de l'Algérie. Et du côté de ton père, eh bien, il y a beaucoup de musiciens. Tu as notamment un oncle qui joue de la musique andalouse. Et puis, tu as un oncle qui est directeur d'un conservatoire. Mm-hmm. Donc, tu as carrément... voilà, t'es née dans la musique, en fait. C'est ça. Du côté de mon père, c'est plus la pratique. Il y a mon oncle, comme tu dis, qui a un conservatoire en Algérie. Et c'est plus des joueurs d'instruments, on va dire. Ouais. Et du côté de ma maman, bah... ils aiment la musique aussi, mais c'est plus en mode ambiance, tu vois. Ah, ils en profitent. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui en profitent. Exactement, tu vois, c'est ça. Et ça joue quel instrument ? Del bouca, piano. Guitare, enfin tout. En tout cas, depuis toute petite, t'es quand même déterminée, très focus. On va regarder quand même une petite vidéo parce que tu t'inscris au casting de Graines de Star à l'âge de 8 ans et c'est du caviar. Allez. Linda, je m'appelle Linda Regal, j'ai 10 ans, j'habite à Garges, dans le Val d'Oise. Ma passion favorite est le chant. C'est pour cela que je veux participer à Graines de Star. Je veux vivre le grand amour, la passion des premiers jours. Je veux aimer, recevoir en retour. Ouais, c'est du flow. Je veux savoir si ça existe. Aïe! J'adore! Non, mais attends! Déhanché, comme ça. Aïe! C'était comment? C'était Kayla. Non, pas Kayla. Ça, je veux vivre le grand amour. C'est Kayla. C'est Kayla. Kayla, voilà. Ça, c'est chouette quand même, à cette époque, déjà d'être soutenue par ta famille. Ouais. Tu fais tes vidéos YouTube, tu fais beaucoup de reprises. Et puis, en fait, un groupe qui est juste légendaire et qui, en plus, à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, était. Au max de son game, la section d'assaut te repère sur Internet. Tu vis comment ça à l'époque ? C'est lunaire quand même. C'est lunaire, c'est vrai, mais tu sais, je suis vraiment une personne qui vit au jour le jour et qui capte pas forcément les choses directement. Genre, ce qui m'arrive, je vais pas le capter maintenant. C'est par exemple quand je vais être dans mon lit ou je sais pas, ou des mois après, je vais me dire, ah, mais quand même. C'était une dinguerie. Ouais. C'est vrai, j'ai fait un truc de ouf, là. Ouais. Je suis tombée, comme tu dis, dans le Ouattibé, dans la section d'assaut, quand ils étaient vraiment à leur apogée, donc c'était vraiment un truc de ouf. Je savais que ce que je vivais, c'était un truc de ouf, mais c'est vraiment petit à petit. Vraiment, je vivais les choses comme elle venait. Du coup, j'avais pas le temps de réfléchir à tout ce qui m'arrivait. Une pression énorme, parce que tu te retrouves quand même à faire les premières parties de la section, tu fais les tournées de Zénith, tu fais les premières parties de Black M, de Gims. Comment, d'un seul coup, parce que là, c'est pas, tu te retrouves pas pro et jeune ado qui chante dans sa chambre, tu te retrouves à enregistrer un album et à y aller doucement et à écumer les petites scènes. Ouais. Tu te retrouves à faire les plus grosses scènes de France du jour au lendemain. Comment tu gères ce stress et comment tu gères ce moment ? C'est vrai que c'était incroyable. C'était incroyable. J'étais à mes cours de maths. La veille, j'étais sur le Zénith de Nantes et le lendemain en cours de maths. Donc, c'était compliqué par rapport à ce niveau-là. Ouais. Je vivais une vie de star alors que j'étais pas une star. Tu vois, je faisais des trucs de fou. J'allais chanter devant un public qui n'était certes pas le mien. Mais qui connaissait des chansons quand même, pour le coup. J'arrivais à les prendre avec moi. Parfois, c'était compliqué parce que ces gens-là, ils sont pas venus pour moi. Ils sont venus voir Black, ils sont venus voir La Section, ils sont venus voir Gims. Donc, c'est toujours délicat, les premières parties. Mais j'aime tellement la scène que moi, j'ai kiffé, tu vois. Et voilà, j'ai réussi à faire kiffer les gens aussi avec moi. Et puis depuis toutes ces années, y a des gens qui me suivent par rapport à la tournée, etc. Et c'est vrai que j'en ai même un peu oublié mon album. C'est pour ça que ça a mis du temps. Mais si c'était à refaire, je le referais. T'as laissé un bon souvenir, voire un souvenir impérissable à certains. J'espère. Qui avaient envie de te passer un message. C'est vrai. Un certain artiste comme ça, ouais. Comme ça, un message. Et hey, Juliette, hey, yo, Linda, j'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir quel est ton plus gros souvenir en concert, en tournée avec toute la troupe. Voilà. Dis-moi tout. Il est dur. Hi, Black M. Black, Alpha, merci. Et Léa, big up à Léa, parce que Léa a géré la lumière, je pense, le son. T'étais très beau, tout va bien. Qu'est-ce que tu réponds à Black M? Ah là là, c'est très, 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 très compliqué.
chaque date, c'était quelque chose de ouf. Peut-être ma première aussi, ma première grande scène à Nantes. À Nantes, au à Zénith. Bruxelles. Voilà, au Zénith de Nantes, Bruxelles aussi. T'arrêtes pas, t'enchaînes, comme tu dis, t'es une hyperactive. T'as sorti ton premier album, Papillon, avec des poids lourds. C'est juste, c'est le festival de Cannes, en fait, du rap game. Black M, Fianso, Soul King, Eva, Dadju. Ouais. Comment tu vis cette nouvelle expérience? Alors, j'attendais que ça. Mm-hmm. Depuis des années, j'attendais que ça. C'est vrai que d'être toute seule, dans l'ombre de personne, parce que finalement, même si on le voit pas, bah, j'ai quand même été un peu dans l'ombre, même si j'ai fait des choses dans la lumière, comme les Zéniths, etc. J'étais pas une artiste toute seule à part entière, tu vois. C'était vraiment Linda du Watibé, Linda, tu vois. C'était ton nom de famille, carrément. Donc, voilà, c'était Linda Watibé, voilà, exactement. Et de m'imposer en tant que Linda... qui vient seule avec son Linda album. Linda de toi-même. Linda voilà, de moi-même. Ouais. Qui vient seule, qui arrive avec son album que les gens aussi attendent depuis des années, qui ont grandi avec moi aussi. Mm-hmm. Ça fait du bien. J'attendais que ça. Je voulais c'est un test. C'est un cadeau pour moi, pour eux. C'est des années d'attente, etc. Donc oui, ça m'a fait du bien. Tu fais beaucoup d'associatifs et d'humanitaires. Tu fais pas mal de maraudes. À travers tes réseaux sociaux, tu identifies des étudiants, des jeunes qui sont dans le besoin. Certains ont besoin d'un ordinateur, d'autres ont besoin d'un téléphone, d'autres ont besoin d'aide pour les transports. J'aimerais que tu me parles de cet investissement personnel et de cet engagement, parce que c'est pas rien. J'ai toujours voulu travailler dans le social, mis à part la chanson. Je me suis dit, la chanson, c'est un truc en plus qui va venir ou pas. Mais en tout cas, j'ai toujours travaillé dans le... vouloir aider, être dans le social, etc. Donc, c'était très important. Et du coup, quand j'ai signé chez Watibé, etc., j'avais plus forcément le temps. Je voulais faire j'ai eu mon bac et je voulais faire une formation d'EduxP. Et j'avais pas le temps de concilier la musique et la formation. Donc, j'ai dû choisir un camp. Du coup, je me suis dit, bon, plus tard. Et c'est vrai qu'avec la musique... Ce qui est bien, c'est que j'ai pu aller faire beaucoup d'associations, aller dans les lycées, dans les collèges, utiliser rencontrer. Utiliser ta notoriété voilà. Pour fédérer. Donc, j'avais quand même ce lien. J'avais quand même ce lien avec les jeunes, les ados, les enfants. Et puis, d'aider son prochain, c'est ce qu'on m'a toujours inculqué. Ma mère, la première. Et bien sûr, avec ma notoriété, le peu de notoriété que j'ai, j'essaye d'amener les gens avec moi. Et ma communauté m'a beaucoup, beaucoup aidée aussi, surtout pendant ce confinement et ce ramadan. M'a beaucoup aidé à aider les autres. Quel serait le message universel que tu aurais à passer à toutes les personnes qui nous suivent? Le message que j'ai à passer, tout vient à point à qui c'est attendre. La patience, soyez vous-même. Vraiment, prenez un message vraiment de paix, soyez tolérant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, soyez tolérant. Yes. Merci, merci beaucoup, à vous. Beaucoup, Linda. Merci pour cette invitation. Merci, Juliette. Plaisir, ça me fait un plaisir de te rencontrer. Eh bien, écoute, tout le plaisir est pour moi. T'es la bienvenue. T'es à la maison. Merci t'es à la maison. T'es la bienvenue. Merci vraiment. Beaucoup. La famille, vous connaissez la chanson. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur le YouTube de Légendes Urbaines et sur les réseaux sociaux pour voir l'émission en intégralité. N'oubliez pas que l'album Papillon de Miss Linda est dispo. Et en plus, l'album déchire pour de vrai. Allez vous connecter. Ouais. C'est une vraie go. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, et bien comme d'hab, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Linda. Merci beaucoup. On merci ensemble. Juliette. Yes. Quand la terre n'est plus en solution, c'est le ciel qui intervient. Edgar Kaya, mon réseau de fond. La jeunesse, Itamoy Tali Boli, mon ami Soboma, mon amour Téma, pour la haie, Kanae Salimo, les jours l'été, Oma, Yamama la mote, Mayamasako, Akobele. Jeu de filin, Patti Boré, Madame Epeni, Yassine et Junior. Et ta yabani la gala, et moussika tout le monde.
Jacob Okelo na Toronto. Étonnant une star parmi Obadaki remarquable et Makasi dans le groupe Wana. Bon, on verra que moins de 10 ans, si je puis arrondir plus ou moins 10 ans, Anya décide enfin de quitter Viva la musique. Aujourd'hui, si tu peux être sincère, ce refond, il aime son thème. Qu'est-ce qu'il a fait en sorte que c'est lui où vous avez une relation du monde strictement professionnel et tant que patron. C'est lui qui tu considérais également comme papa. Ouais. C'est lui qui a fait en sorte que Moutilé Yébal facilement le quitter avec colère aussi. Qu'est-ce qui était à la base? Si je vais dire la vérité que vient au fond de mon cœur, ou peut-être tant que son aloba est monté, c'est là qui est juste le cas que bon, j'ai puberté. J'ai pu dire que asilikaki makasi papa pa asilikaki makasi ba pesa inga suspension tant que ma pesa inga suspension na suspension wana après nga pela bia na oya na ngapeli sauté na oya na ngali sauté kote bofuta na bino bisauté na oya na ngai te na vanda na ngai nde na vanda ki wana ya la mbers kote ngoye mo ya mukomo na kake oh suspension na sala nga mo kote tozara moi 3 4 mo na kabuza yemba na mikesi ko bofungo dite moi chéri moi nini. Beaucoup qui m'a répétition. Tant que je suis en train de me faire une suspension, je suis en train de me faire une c'était déjà trop tard, on était déjà parti. On avait déjà suivi là le cœur. Ça mérite ça. Allez, vas-y. Ça mérite ça. Là, tu as été sincère. Oui. Difficile, hein? Les autres disent ça, au moins tu as été sincère. L'amour amène dans des places où tu ne t'imagines pas. Oui. L'amour est plus fort. Mais puis après, tu t'es décidé d'intégrer au NGBCBG directement? Non, on s'est décidé qu'il n'a pas. Quand on a quitté, Moutal Bosso, on a bien acquis à qui papa chéri. Oui, je suis d'accord, mais moi je suis en Europe. Bozé la tang na roya, tout ça na préparation y a concert y a Bercy. Bozé la baye. Oui. Parce que tang na zaki na vivre, tout bandai déjà na banda ki kosolo la bien na papa chéri. À partir donc na yeba ki papa chéri na kati a vivre. Des places na yeba kaye. Oui. Ah, nesta. Donc na yeba ki et bandai ki nous repère sa quoi ko ya la mère bandai ko la kisa bango danse. Zenith o babé taka. Je prends l'Olympia, la chorégraphie, la binara moutala, qui sera ma mère, papa, la mère, na maître Kembo. Donc, série, on a déjà, bisotiko, ba fiotifiot, 14 ans, mais elle, moi, quand on a binomi balé, misa, tout bouquet, kuna, ya, la ksiba danse, bozali, wana et tout, déjà, tu es barra, papa, chéri, tu es solo, rana, et bien, tu es solo, bien. Ok, voilà. Et. Oh, intégré, Jubé n'était pas là. Non, il n'était pas là. Il était en voyage. Azaki na poto, na bengi a parti à poto na téléphone, na expliqué. Singa oui, nazo zelaye aya. Après, Kofi Olomide, mon pao, aye ko proposé biso parce que tant tolongwe, biso to tikala ki poto zela. Jibe mutalbaki ke to zelaye aya. Mais mon pao aye ki siko ko proposé biso yemoko poto ko ta carte la terre. Non, par le canal de qui? Bon, ezalaki esikanga na bande ko vanda. Biso bande ko vanda sérieux na to vanda na diplomate na kota hotel diplomate na sima wana. Siko liboso na ngona ntela ya prince wana mopa asala ka boutique moko wana. Na bosa ni kombo na ngongo je crois ko ye basala ka boutique moko wana. Fi moko bande ko teka na boutique wana ezalaki copine na ngai. Azaki copine na ngai. Donc na ntela ya fi wana Ginette nde mopa wazoka ba numéro na biso nde abenga ka biso abanda osepela na biso nde ba fitufyo ti banda kala série oyo ya la mère alongolaka biso na viva
Donc il y a proposé à Tokende Kuna. Tokende Kuna parti déjà à Wana, mais après Tozongaka. Abanda pe ko aider papa Lambert tant tozaki na maki babilo ka kolia et tout. Si kotang toye ko longwa, ndesko amoni ki ah ba shoti shoti na luka bango yo penza bango moko ba longwe ba kei. Ndesko ayaki siko penza ko sobiso to kote pe na e tonzima ki pe abeng si biso na répétition nde to kenara na répétition na mo fleré to kutaka ba danser pe moi ba jeune fille o bazala kawana. Mais to kutaka a 5 milan muta embara biso seri yango. Si quand on te dit que tu as un peu d'environnement, il y a un quartier la tête, tu as un peu de kati et tout, tu comprends que tu as un peu après, tu as un peu de sauté, tu as un peu de sauté. Je ne sais pas si copine as un peu papa chéra le bito zé. Non, attends, tu as un peu de test. Oui. Vous étiez à combien? À 3? On était à 3, oui. Ok, test. Oui. Le même jour, tu as répété. Non, parce que déjà, tu as déjà Nanzela déjà Moussousou. Mon dieu, c'est déjà Nanzela Moussousou. Nanzela Moussousou est ami balé. Même si tu as dit que 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 tu Voilà. Et puis, après, je comprends, intégrer BCBG. Deux semaines après. Donc, deux semaines avant. BCBG qui nous roubait à concert à Bercy. Bon, quel concert à Bercy, par miracle, Monique est restée. Celle qui était chef d'aine, doyenne également, parmi tant d'autres aussi, Batiké pour jouer Kaka, Baïboyaki Sika, pour amener Mana Binosa, et ça, les mois, la polémique est belée. C'était quand même bizarre aussi. Oui, ça avait fait très mal à Monica, et c'est là qui est passé. Ngai na lelo na trouvé ngo oui ezaki normal douleur wana yokaka batu moko boye bauti esika mususu ba yekaka sika et puis to umela kate même pas un mois ba memi biso na poto ye batikie na Paris po ba mema biso na Canada oui et chokaka e makasi sala ka pas makasi eza eloko o sala ka ke Monica alongwa BCBG pour attirer la porte, on dit attirer la cape et à qui nous coûte un orchestre et un quartier latin. Oui, parce que bis to kendara tant to kendara, nazar angai na bibish manja, et puis qui sinjo raya roya na bibi secret. Il to ya randela moko to kendara penaie. Tant to komi na Paris, papa chirae ko zo quatre danseuses, bisomi satuana, ayo ko zo na mapitu, nde amemara biso. Bango atikara bango na Paris. Siko Monica a supporta ka eloko wana te. Akoka ko supporta ngo te nde salaka alongo. Est-ce qu'avec Wenge BCBG, c'était quel style ce qui vous kei? Enfermé également? Non, BCBG, donc, zaki se bo kei, to bando vanda na hotel, yango zaki neti viva te, a vive zaki ndako, BCBG bo vanda na hotel, de lire dans un restaurant ou bien pour son biblo dans un restaurant et yewana donc quand ils allaient on était vraiment libre on a pu nous voyager on a relobaqué et là qu'ils dengue moko na vivate on a pu nous abîmer dengue lingi zonga dengue lingi et après na BCBG au Betipe Bercy. Oui, na Beti concert à Bercy, na Bercy to Beti bon concert belé belé to Beta qui au to Beta. Je parle des grandes tailles hein, quand même. Et salut quand même CV oui. Nayo, tu as été à l'Olympia avec Papa Wemba, quand même la star des stars, Zénith également, Bercy avec Jubin Piana. Est-ce que votre relation avec Jubin Piana était strictement professionnelle? Qu'est-ce que c'est? Ça c'est quoi ça? Les malons d'Abeka, on ami exime. Système escalator toujours, tous à tes mais tous à français. C'est la Lili, la Lega, la Imona, la Sangomo, la Lili, la Yoy. On commis sa bombe, on a pas cinéma, la image est la Yoy. On commis pas nos géants, on t'a si, la mission va la Iwa, Yoy. Passez mon lingo, pour y battre, c'est la lobby, quoi, toi, l'Iwa, Yoy.
Sili saka posa maina loto konte Atubo Steve Masa Olinga na puta salite ya zambi Kupo yange bongo na ombe Amora na kana kia rose Lile komo shanje bakule Lema ya kapo kasa kwa ya sida Mbate li batana sile mbo yonje Kwa amu kujo iso lenga Atika jiso lenga Ibu nite Olinga kitu Amzo na karofo Amo sarara Asan kamara Pasenye sona suwana bomwana Kasa boli kote Bobo mamula yo na motema Se pa la verite Moto nyo sasa na miso Komo na pasi na karo Kota me kalema Yani engambe Machacha de guerre Ta izo nche pa la oba yo klave Ayo wano zingila Kwa gogo chibaye Ayo wano zingila Deba jake mozake Ayo wano zingila Kwa Ernesto Kondi Ya solo na nimi de sepo ya bolingo Ba pasi nini nga ina Mwana tepo lele Chakama pasa Basenya sona zuana bomwana Asa boli mote Bomba muna yona motema Se pa la verite Moto nyo sasa na miso Kwa mwana